Okay, bless the Lord.

Seigneur merci pour ta grâce au nom de Jésus Barita wa inna splatei Wa inna balaza Bara udali karazi wa inas malita baliman Rabbi wa in esprame razo blakata wa anna asman avela lobremidali karmata, kar udali vorosa burias nesta udali karami an aleika au nom de Jésus Christ que Dieu te bénisse bon arrivée nous continuons attendre nos frères et nos sœurs dans le Seigneur et s'il te plaît partage la vidéo au maximum vous savez que nous utilisons les réseaux sociaux pour évangéliser le monde pour convertir le monde à Christ partage la vidéo au maximum possible prends ça comme une responsabilité personnelle comme un devoir chrétien il ne s'agit pas juste de faire de poser un acte parce que euh, on demande ou bien la circonstance l'impose mais à cause de ta conscience chrétienne je suis un évangéliste donc je veux partager la vidéo au maximum. De personnes. Partage ça dans tous les groupes où tu apparais. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Pendant qu'ils arrivent, nous voulons prier le Seigneur Jésus-Christ. Disons merci à Dieu pour la protection pendant cette nuit. Disons-lui merci pour la vie, pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore. Et que ce don de ce souffle ne soit point vain. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette nuit. Merci pour ta fidélité qui est notre bouclier. Seigneur, merci pour nous avoir donné la grâce d'être encore debout en cette nouvelle journée. Merci pour les souffles de vie que tu as mis en nous. Seigneur, nous sommes tellement heureux de savoir que tu nous as accordé encore cette grâce. Et Nous prions qu'elle ne soit point vaine, mais que ce souffle soit utilisé pour des choses utiles, pour toi, pour le royaume et pour nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo. Invite tes amis, tes membres de famille, toute personne qui t'est chère, même tes ennemis, invite-les. Qui sait jamais si l'Éternel n'utilisera pas ce moyen pour les convertir à lui Donc partage la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page. Oh, Alléluia, c'est merveilleux. Abonnez-vous à notre page afin de recevoir les notifications à chaque fois où il y a un direct qui sera fait. Donc c'est un engagement chrétien, un engagement, une marque d'amour. Notre amour pour Christ, une pour notre détermination à servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bénis le Seigneur pour le souffle de vie, bénis le Seigneur pour la grâce. Vous savez que le souffle de vie est un don de Dieu. Et Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce don encore pour cette nouvelle journée. Il ne faut pas utiliser ce souffle pour se retrouver à faire de mauvaises choses. N'utilisons pas ce souffle que Dieu nous donne pour faire du mal, non, ou pour faire des choses qui sont. Contre l'humanité, contre l'avancement, et la progression de l'humanité. Non, Seigneur, donne-moi la grâce d'utiliser ton souffle. Parce que c'est son souffle, le Jeu va décider, il va reprendre. Donne-moi la grâce d'utiliser ce souffle, ton souffle que tu m'as prêté. Parce que c'est même pas, il ne nous appartient même pas, afin de faire des choses qui feront avancer l'humanité, qui feront avancer ma famille, qui feront avancer ma propre vie. Donc c'est important. Mon bonjour à chacun de vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi maintenant. Que Dieu détruise les plans de Satan préconisés pour cette journée. Vous voyez, c'est important. La manière dont tu commences une journée déterminera comment tu finiras ta journée. Nous commençons avec Jésus-Christ et nous achèverons avec Jésus-Christ. C'est pour ça que nous nous retrouvons désormais tous les matins à partir de, de 6 heures pour pouvoir prier ensemble, méditer la parole de Dieu pour que tu sois boosté, que tu sois ragaillardi, que tu sois ravigoté. Que tu sois révigoré, que tu sois envigoré dans le nom souverain de Jésus. Donc, prions tous les plans de Satan contre ta journée, dans ton lieu de travail, contre ta journée concernant tes enfants, l'école, etc. Pendant ton voyage en cette journée, prions que les plans de Satan soient anéantis au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la prière. Père, au nom souverain de Jésus, tout plan de Satan contre nos vies, pendant cette journée. Seigneur, nous anéantissons ses plans, tout ce qui a été préconisé contre nous, contre ton peuple, dans le monde entier, dans toutes les nations de la terre. En cette journée, nous anéantissons les plans de Satan. Nous détruisons ses plans. Seigneur, tout ce qu'il a projeté, ses projets sont dans l'eau. Nous proclamons cela dans le nom précieux de Jésus. Ceux qui voyageront, Seigneur, ils voyageront sains et saufs. Nous annulons les accidents. Ceux qui iront au travail, pas d'incident. Ceux qui iront à l'école, pas d'incident. Seigneur, nos ennemis se réjouiront pour notre sujet en cette journée. Cette journée se passera bien. Elle sera à notre avantage. Toute mauvaise nouvelle, nous l'anéantissons dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh, ça c'est bien. Quand nous prions, Dieu nous exauce. voyez, oui, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous allons prier contre les plans de maladie. Vous savez que tu peux commencer la journée bien comme ça, Les 9h, heures, 10h, heures. la santé s'en est envolée, s'en est allée et puis tu te retrouves alité. Donc toute attaque de maladie contre ta vie et ta famille, nous allons détruire ça par la puissance du nom de Jésus-Christ et couvrir nos familles dans le sang de Jésus-Christ. Tout plan de maladie contre nos vies, tous ceux qui sont malades doivent être guéris en cette heure. Cette journée ne doit pas se passer dans la maladie, dans leur vie. Demandons que le sang de Jésus-Christ intervienne. La Bible dit que par ces maîtrisés, vous avez été guéris. Et Jésus dira que la santé, la guérison est le pain des enfants. Notre pain, c'est la guérison. Prions pour la santé et la guérison pour ceux qui sont malades. Que cette journée soit une journée sans maladie. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Barita wa annas malita an akata. Père, nous anéantissons toute maladie lancée dans nos vies, dans nos familles en cette journée. Seigneur, nous déclarons la santé, et la protection divine. Nous prions que la puissance de tes maîtres je parle en notre faveur. Ô oh Seigneur, étends ta main sur le monde entier, étends ta main sur la terre toute entière et guéris ton peuple. Que tous ceux qui sont malades en cette journée, Seigneur, reçoivent la guérison en ce moment qui reçoivent la santé, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Toute espèce de maladie libère leur corps. Seigneur, nous nous séparons de toute maladie, toute maladie envoyée contre nos vies, toute attaque de maladie, tout malaise dans nos vies, maladie qui aura mortelle ou pas. Seigneur, nous commandons au nom de Jésus que ces maladies qui nos corps, ceux qui sont en santé, nous proclamons la préservation divine. Et nous disons que nos vies sont cachées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie ne nous atteindra. Et tout malade est guéri par tes maîtres Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es malade, reçois la guérison et la santé en cette journée. Mais si tu étais malade depuis longtemps, je prie. Dès qu'on est avec mes frères, avec nos soeurs, dans le monde entier. Quand nous nous unissons, nous sommes puissants. Quand nous demandons, Dieu agit. et dit que lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Crois qu'il est là. Quel que soit le nom de la maladie, nous la détruisons. Quelle que soit la durée de cette maladie, nous la détruisons. Quelle que soit la cause de cette maladie, nous la détruisons. Que ce soit parce que tu as péché, oh, que ce soit parce qu'on a lancé ça mystiquement dans ton corps. Dans tous les cas, si tu as péché, le sang de Christ te pardonne. Au nom de Jésus Christ. Si on a lancé, Dieu détruit et retourne cela à l'expéditeur. Dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth, proclame Je suis guéri. Au nom de Jésus, mon corps est restauré dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi, s'il te plaît, pendant que nous prions. Abonne-toi, ne reste pas sans t'abonner. Nous sommes en train de recommander la journée entre les mains du Seigneur. Par la prière, nous détruisons les fondements de l'enfer dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Partage la vidéo. Ne te connecte pas sans partager la vidéo. Informe les gens qu'il y a une grande émission qui se passe tous les matins à la lumière des saintes de écritures tous les matins à partir de 6h. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette émission que nous avons baptisée à la lumière des Saintes Écritures à cause de Maman Shalom et Canet. Et je pense aussi que nous sommes en train de travailler pour l'ouverture d'une fondation en son nom, la Fondation Shalom et Canet. Nous voulons ouvrir cette Fondation Shalom et Canet. On va, je vais vous informer au fur et à mesure que le temps va passer. Et tous ceux qui voudront être partenaires de cette fondation qui sera dans les œuvres sociales pour venir au secours de ceux qui sont démunis, des orphelins, des veuves, etc. Nous allons travailler à cela pour que son nom puisse être commémoré tous les jours dans nos cœurs. Donc, si tu veux être partenaire de, la, de, 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 de cette fondation, s'il te plaît, écris-moi d'abord sur Messenger. Écris-moi sur Messenger et puis je donnerai notre contact par lequel nous pourrons parler directement. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prendre un dernier sujet de prière. Seigneur, rends-moi prospère en cette journée. Vous voyez, nous voulons prier. La journée, elle ne doit pas être vaine. Elle ne doit pas se passer sans que tu n'aies marqué un point, sans que tu n'aies réalisé quelque chose. Que Dieu nous donne de réaliser de grands projets en cette journée, que ce soit une journée de grande réalisation dans nos vies. Elle ne sera pas stérile. Tout poison de stérilité contre ma journée. Bon, il y en a qui m'ont écrit hier qu'ils sont en train de dormir, d'accord. Quand vous allez vous réveiller, le jour qui suit, la même grâce sera avec vous. Tous ceux qui écouteront l'émission après, la même bénédiction est sur vous au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur nous prions pour que ta grâce nous accorde de réaliser de grandes choses en cette journée. Père, nous voulons réaliser de grandes choses. Tout poison de stérilité dans cette journée, nous l'anéantissons, nous les serpons de nos vies et du programme de cette journée au nom précieux de Jésus. L'échec s'éloigne de cette journée. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs, que nous ferons des exploits, nous réaliserons de grandes choses et nos projets devant Dieu seront accomplis à cause de ta présence. Tes anges renforcent la journée, elle lui donne un sens selon ton cœur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta journée sera prospère. Ta journée sera bénie. L'éternel sera avec toi. À gauche, tu marqueras un exploit. À droite, tu auras du succès dans le nom précieux de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ invoqué dans nos vies. Je sais que le Seigneur vient de bénir nos journées et nous allons passer l'une des plus belles journées de notre vie. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus. Amen. La Bible dit que lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyons. Croyez que vous avez reçu la chose et vous verrez la chose s'accomplir. Donc ça, c'est le principe de la foi. Lorsque vous demandez quelque chose dans la prière, nous devons croire que la chose est déjà arrivée. On a déjà reçu la chose. Et alors la Bible dit que vous verrez la chose s'accomplir. Donc crois que tu es béni, crois que ta journée est bénie, crois que tu es prospère en cette nouvelle journée, crois que tes affaires marchent et crois que tu es guéri. Si tu crois en cela, le Seigneur manifestera l'exhaustion dans ta chair et dans ta vie en longueur de cette journée. Mais je sais une chose, aucun démon ne peut faire barrière. À la promesse de Dieu pour toi en cette journée, l'éternel fera de toi la tête et non la queue. Donc, nous célébrons le Seigneur pour cela. Que sa main soit ton partage. Et euh, euh, garde ta bouteille d'eau quelque part parce que nous allons prier. Nous allons prier et Dieu va se manifester. Nous allons boire de cette eau ensemble et tu vas laver ta face avant de commencer ta journée. C'est un signe de prospérité, un signe de victoire, un acte prophétique par lequel Dieu pourra s'appuyer sur lequel il s'appuiera pour pouvoir euh, euh, détruire les limitations que le diable a établies dans nos vies. Alors vous savez, c'est briser les limites avec Jésus-Christ, aller au-delà des limites avec le Seigneur Jésus-Christ. Père, merci une fois de plus pour la grâce matinale, la grâce matinière que tu nous accordes. Merci aussi pour la grâce d'être matineux euh, ce matin. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus. Je prie que tu donnes la force à ton peuple de s'adapter à ce nouveau programme et surtout les moyens pour pouvoir se connecter très massivement au nom précieux de Jésus-Christ. Nous voulons bénir ta journée, nous voulons que Jésus-Christ bénisse nos journées, c'est pour ça que nous nous connectons ce matin. Que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus. Donc, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu, rapidement. Après ça, on va prier. Vous savez, la parole est souveraine. Somme 107, verset 20, il il envoya sa parole et les guérit. Seigneur, bénis soit ton nom. Écoutez mes frères. Vous êtes mes amis, donc je partage tout avec vous. Vous savez, ça fait, euh, je crois, euh, près de 25 ans, plus de 25 ans, de 2014 jusqu'à 2021. Ouais, c'est peut-être 25 ans ou 27 ans, je ne sais pas trop. Où je marche avec le Seigneur. J'ai connu des moments très difficiles, des moments compliqués, compliqués avec mon entourage, compliqués avec moi-même. C'est-à-dire que où tu sens la pression, la pression. Et la lourdeur de ta croix, de l'engagement chrétien, de l'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais j'ai béni Dieu parce que je suis demeuré dans sa maison. Mais parfois, les gens ne savent pas à quel prix. À quel prix Vous nous voyez, on sourit, on te voit tu souris. Mais on ne sait pas par quoi Dieu te fait passer. On ne sait pas par quelle épreuve Dieu te fait passer. On ne sait pas ce que tu as jour après jour pour porter le nom d'enfant de Dieu. Il y a un prix cher à payer. Mais. Une chose qui est sûre, Dieu est fidèle. Il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu au ciel. Et c'est ça qui me réconforte. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui me donne le courage de continuer cette bataille et, et puis de dire, je ne m'arrêterai pas. Je ne peux pas m'arrêter jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que je vois le Seigneur. Tous les jours, hier, je faisais une prière à Dieu. Ça, c'est des confidences que je partage avec vous. Parce que vous êtes mes amis. Je vous dis la vérité, je faisais une prière à Dieu. Il disait Adieu Seigneur, voici ma femme qui est partie. Elle est retournée vers toi. Elle a combattu le bon combat. Ce n'est pas le bon combat qu'on peut dire de quelqu'un qui, sur la terre, tout le monde sait que celui-ci a été un ennemi de Dieu. Non. On dit le bon combat que moi j'ai suivi de côté. C'est-à-dire que j'ai été toujours là pour voir ce bon combat. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'en prie, permets-moi la grâce, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce de mourir dans de bonnes conditions. Frère, c'est important. C'est le souci de chacun. L'apôtre Paul a dit que je crains qu'après avoir prêché comme je vous ai prêché, d'être rejeté moi-même. Donc ça fait que c'est une préoccupation. Je disais à Dieu, Père, je t'en supplie, fais-moi grâce de mourir dans de bonnes conditions comme ma femme. C'est important. C'est très important. C'est un don de Dieu et c'est une grâce de Dieu. Devoir prier pour cela. Parce que Dieu est fidèle. Donc je disais à Dieu, Seigneur, toutes les souffrances que j'ai endurées. Toutes les persécutions, toutes les injures, tu ne peux pas permettre qu'à la fin, je n'ai je pas la couronne de la vie éternelle. Non. Seigneur, tout ce que je te demande, sois bon envers ton serviteur et permets que moi aussi je sois couronné en ce jour-là. Parce que c'est une grâce de Dieu, frère. C'est une grâce de Dieu de mourir dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde une fin heureuse. Je préfère mal commencer et bien finir que de bien commencer mal finir. Vraiment, je préfère endurer. Toutes les souffrances de la vie ici. Si, vraiment que je vive sans manger. Que je n'ai jamais de femme. Que je n'ai jamais de travail. Que je n'ai jamais d'habitation. Mais que j'ai la vie éternelle à la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu est fidèle. Donc, en Dieu, ne te décourage pas. Ne te laisse pas, n'écoute pas les langues serpentines, les vipérines, pangolines, des hommes incrédules, des hommes infâmes. Qui jamais n'ont connu Dieu, qui te montre que non, l'engagement chrétien que tu as c'est vain. Depuis que tu es enfant de Dieu là, pourquoi ta vie n'a pas changé? Depuis que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu n'es pas marié? Depuis que tu es enfant de Dieu, pourquoi ta condition ne s'améliore pas? Je ne suis pas chrétien pour que ma condition s'améliore. Non. Je suis chrétien parce que je veux manifester mon amour pour Christ. Ce n'est pas par intérêt. Je n'aime pas Jésus parce que j'attends. Un bien matériel. Si Dieu me donne le bien matériel, gloire à Dieu. Si il ne me donne pas, gloire à Dieu. La Bible dit, Jésus lui même dira que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc Dieu sait que tu as besoin. Et, et je me souviens de, de la prière récurrente que ma femme faisait euh, pendant les derniers jours de sa vie. Donc parfois je la surprenais seule, parlant avec le Seigneur, son Dieu. Et disant, Seigneur, regarde ma situation. Regarde ma ma, ma, ma souffrance. Seigneur, regarde la peine que j'ai. Mais si cela te plaît, si ma condition glorifie ton nom, elle lève toujours la main. Elle dit, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi. Je ne suis que ta servante et je n'ai pas ordre de parler devant toi. Si ma situation te plaît, Seigneur, si tu critiques ta gloire de ma maladie, je te bénis, je te donne la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne dis plus rien. Et puis, elle baissait la tête. Et, voyez. C'est ça l'engagement chrétien en réalité. C'est ça l'engagement chrétien. Elle a servi Dieu ayant la santé. Elle a servi Dieu n'ayant pas la santé. Et son amour pour Dieu n'a jamais été ébranlé. Jamais. L'autre jour, je mangeais au restaurant avec ma petite soeur. Et elle me racontait le moment où j'étais pas là, où elle était avec mon épouse. Et elle me racontait les choses que Maman Shalom lui disait. Et ça dit, j'ai perdu l'appétit. Et on a quitté le restaurant, je n'ai pas fini ma nourriture. Oui, parce que c'était des choses qui étaient fortes. C'est elle qui nous consolait à la fin. Quand tu pleurais, elle m'a expliqué qu'un jour elle pleurait et Maman Shalom l'a appelée. Elle lui a dit Je vois que tu pleures. Et elle m'a dit qu'elle a dit à Momi que non, en fait, c'est quelque chose qui entré dans mes yeux. Et Momi lui a demandé que Tu me mens Parce qu'elle était très directe. Elle-même, Aïcha m'a dit que tu sais que ta femme était très directe. Momi m'a demandé que, Donc tu me mens C'est à moi que tu mens Et puis ma je lui a dit Non, c'est que ta situation me fait pleurer. C'est que je veux que tu sois en santé. Elle a dit à sa belle sœur que ne t'en fais pas, je te promets, si Dieu, s'il plaît à Dieu, je guérirai. Je me relèverai, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, je me relèverai. Tout est à lui. C'est lui qui prend la dernière décision. Et elle n'avait jamais jugé Dieu. Au contraire, elle nous interdisait, elle nous mettait en garde. Ne jugez pas Dieu à cause de ma situation. Laissez-moi avec le Seigneur. Vous voyez C'est ça aimer Jésus. C'est ça servir Dieu. Dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur permet toujours que nous soyons éprouvés pour que notre foi soit purifiée, pour que les déchets dans notre foi puissent être enlevés. Nous bénissons le Dieu des cieux pour elle et nous prions aussi pour nous. Elle est partie maintenant, c'est à nous de prier pour nous-mêmes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. On est dans Michel chapitre 7 toujours. On va tirer des grandes leçons. On va tirer toutes, extraire toutes les bénédictions qu'il y a dans ce passage. Prenons à partir du verset 7 ce matin. Pour moi... Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Verset 10 Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Oh Zamaïn Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait Où est l'éternel ton Dieu Elle qui me disait Où est l'éternel ton Dieu Mes yeux se réjouiront à sa vue, c'est-à-dire à la vue de l'Éternel et à la vue ou à la vue de l'ennemi, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Seigneur, merci pour cette parole puissante qui est un don pour chacun d'entre nous. Je prie que la grâce et la gloire, la force et la puissance de cette parole se manifestent dans la vie de chacun. Quelle que soit la partie de la terre où tu me regardes, que la gloire de cette parole vienne vers toi. Que la restauration continue dans cette parole. Te soit accordée maintenant à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à ta maison, à toute ta famille. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. C'est une grande consolation. Dieu apporte une grande consolation à ta vie ce matin. Dieu va consoler ta vie. Dieu va consoler ta famille. Cette parole est pour quelqu'un qui est dans la détresse. Pour quelqu'un qui traverse des moments compliqués. Le Seigneur agira en ta faveur. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Écoutez, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit cette chose qui pousse les gens à se moquer de toi, cette chose-là que les gens prennent comme à ton désavantage, s'il te plaît, mets ton espérance à l'éternel. C'est ce que j'ai dit au début de cette émission. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parfois, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié. Et cet, cet, cet espace de temps dans ta vie, en réalité, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Hein? Non. Il y a parfois, Dieu se retire de nous pour nous laisser seuls, pour que nous comprenions ce que nos ennemis diront. Quand vous lisez ici dans Michel, celui qui parle explique que dans son malheur, les gens ont commencé à se moquer de lui. Souvenez-vous de Job. Hein? Les gens ne savaient pas que le malheur de Job venait de Dieu. Les gens, ses ennemis ont commencé à bavarder. Imaginez-vous, frères, que vous servez Dieu. Non. Parfois, soyons conscients. Chrétiens, soyons conscients. Et apprenons de l'expérience des autres pour devenir sages et de personnes meilleures. L'apôtre Paul a compris cela. Il dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, si tu vois que ça arrive à quelqu'un, ça peut aussi t'arriver. Et, et toi, tu lis. Cette personne n'a pas été avertie. Mais toi et moi, nous sommes avertis parce que nous lisons l'histoire de ces personnes dans les scènes des Écritures. La Bible dit que Job était un homme juste et intègre, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Frère, c'est tout ce que Dieu demande à un homme. Et il avait tout ce que Dieu demandait à un homme. C'est un homme intègre, un homme juste, un homme craignant Dieu et s'éloignant du mal. Mais cependant, la Bible explique aussi que en un seul jour, toutes les richesses de Job ont été enlevées. Toutes les richesses de Job. Imaginez-vous frère que à vous qui êtes Enfant de Dieu, serviteur du très haut, servante de Dieu vivant, vous avez de grands biens partout. Et qu'en un seul jour, vos sociétés, là-bas, ça prend feu. Là-bas, le tonnerre renverse les choses. Ici, l'eau vient écraser tout. Et toutes vos sociétés, en une seule journée, meurent. Toute votre richesse tombe dans l'eau en un seul jour. Frère, le problème n'est même pas que la richesse finit. Mais le problème est, ce que les gens pensent, pourquoi les gens fuient Job pourquoi ses propres parents l'ont fui Pourquoi ses frères, ses soeurs l'ont fui Pourquoi ses amis l'ont fui Dans tout son malheur, Job dit lui-même que même ses serviteurs l'ont fui. Pourquoi Parce que certainement, les gens disaient c'est un sorcier. Les gens diront que c'est la sorcellerie. Et pourquoi quelqu'un dit que c'est la sorcellerie Ça veut dire que la personne ne croyait pas en toi depuis ces années où elle mangeait ton argent avec toi. Mais c'est la sorcellerie, mais tu mangeais quand même cet argent. C'est la sorcellerie, mais c'est l'argent, la sorcellerie-là, quand même, n'a pas honte de prendre ça pour envoyer tes enfants à l'école. C'est la sorcellerie, mais c'est grâce à ça que tu as le passeport, tu es en France, là, c'est la sorcellerie-là. Donc, l'homme n'a pas honte. Lorsque l'homme est le genre, l'espèce d'humain qui, son intérêt est prioritaire, vraiment, la personne va manger ton argent. Mais ces personnes ont fui. Cela prouve qu'elles mangeaient l'argent de Job, n'ayant pas confiance en Job. Mais quand on mange quand même, oh, tu manges ta part. C'est Dieu qui a donné. Dieu te donne, tu refuses. Alors qu'il m'a j'ai dit encore ceci. Hein, Écoutez-moi bien ce que je dis là. J'ai dit que hein, le fait que Job se soit retrouvé seul prouvait que cette personne n'avait plus confiance en lui, n'avait pas confiance en lui et n'avait jamais eu confiance en lui et se disait que c'est un sorcier. Hormis ça, tous ses enfants meurent en un seul jour. Donc, ses serviteurs ont disant que ah, ça peut faire comme ça, c'est toi-même qu'on vend. Hein, les gens ont fui. Ils n'avaient jamais cru en job. Mais ils étaient là. Écoutez, frère, c'est une grande malédiction d'être entouré de mauvaises personnes. Je me répète, c'est une grande malédiction d'être entouré de mauvaises personnes. Frère, c'est un problème sérieux. D'être entouré de personnes qui ne croient pas en toi. Des personnes qui ne peuvent pas donner leur vie pour toi. C'est un problème. C'est pour ça que je dis une chose. Je ne dis pas expérience. On est des hommes. Il est important de faire des mises à jour constantes dans ton environnement. Éprouve les gens. Si tu donnes à quelqu'un, ne donne plus. Ne lui donne plus. Dis à la personne, ne donne plus. C'est-à-dire, regarde seulement le visage de la personne. Si tu sais lire les traits du visage, tu sauras que celui-ci est mécontent. Attends, si je t'aide, je te donnais une bouteille d'eau. Aujourd'hui, je t'appelle pour te dire que je ne peux plus te donner la bouteille d'eau. Tu te fâches. Je suis obligé. J'ai signé un contrat avec toi. Si toi tu étais à ma place, tu me donnerais cette bouteille d'eau. Déjà dans la bouteille d'eau que je te donne, tu n'as jamais pris une goutte hein, ou bien quelques gouttes d'eau pour me dire que vraiment c'est pour te dire merci. Toi-même prends un peu, bois. Tu n'as jamais fait ça. On connaît quelqu'un qui peut donner, qui a l'esprit du sacrifice. Lorsque tu lui donnes, dans ce que tu lui donnes, il enlève quand même une partie pour aussi t'offrir. C'est-à-dire que même s'il si ne peut pas te donner autant que tu lui donnes, tu sentiras quand même que cette personne a cette sémence de donner. Mais dans ce que tu donnes, ça fait 10 ans que tu donnes à quelqu'un. Pendant ces 10 ans, la personne ne t'a jamais donné. C'est ce qui est arrivé dans le passage de Malachi. C'est quelqu'un qui était bien. C'est l'histoire d'une personne qui était prospère. Quand elle parle de tomber, ça dit qu'il était debout. Si, si elle parle d'assise par terre, c'est une femme qui avait la prospérité. C'est une femme qui réussissait quoi que ce soit l'image d'Israël. Ça peut être ton image, ça peut être mon image. C'est quelqu'un qui, jadis, qui naguère rassemblait les gens, était entouré de personnes. Mais aujourd'hui. Où elle est tombée, ceux qui étaient ses amis sont devenus ses ennemis. Et elle les appelle ses ennemis parce qu'elle se moque d'elle. Ceux qui mangeaient dans sa maison commençaient à l'insulter. Disant que, ah, ah voilà, alors on avait dit que la richesse, il a, ah voici, ah, bah, si, la vérité est en train de sortir. Ça va se savoir. Le problème de ça va se savoir, c'est pas par rapport à celui qui est par terre. C'est toi que Dieu est en train d'exposer. C'est ça la réalité. L'homme est tellement bête. La Bible dit que je rassemblerai tes ennemis comme une gerbe. Je les mettrai ensemble pour les brûler. Donc, quand Dieu rassemble parfois nos ennemis, ils ne savent pas qu'ils sont comme des gerbes devant l'éternel, ton Dieu. Et Dieu les rassemble et ils vont aussi faire des bêtises. Il disait des choses, il racontait des choses. Et celle-ci dit que je mettais mon espérance en l'éternel. Je me suis assise par terre. Oui, j'ai péché contre mon Dieu. Je suis assis. L'ennemi est en train de se moquer de moi. Je garderai le silence. Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est dangereux? est mauvais pour toi, lorsqu'au jour de la détresse, au lieu de mettre ta confiance en Jésus, tu vas chez les marabouts. Au lieu de mettre ta confiance en Jésus, tu vas vers les hommes. Un enfant de Dieu ne se confie pas aux hommes. Ne mets pas ta confiance dans la chair. Parce que celui qui s'appuie sur la chair sera toujours confus. Tu as un Dieu qui t'aime plus que ton père ne t'aime, qui t'aime plus que ta mère ne t'aime, qui t'aime plus que ta femme ne t'aime, qui t'aime plus que ton mari ne t'aime. Je me souviens que quand j'étais triste, à cause du départ de mon épouse, et j'ai dit une chose je ne dirai jamais feu mon épouse. Ça ne sortira jamais de ma bouche. À cause de mon épouse. Je préfère le dire comme ça. Parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Vous voyez. Donc, écoutez, nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité. Dieu n'est pas un menteur. Tu as un grand Dieu. Mets ta confiance en l'éternel, même si c'est dur, comment? Même si c'est Dieu, comment Puisque le diable fera tout pour tirer avantage de tes problèmes, de tes difficultés. Si je vous raconte le genre de problèmes que j'ai eu à endurer à cause du nom de Jésus, tu ne peux pas imaginer. Le genre de souffrance, des insultes. Bon, pour les insultes, vous êtes témoin. Mais ça ne nous ébranle pas. Parce qu'on a compris, frère. Quand tu as des souffrances, quand tu traverses des moments compliqués, c'est le moment où Dieu épuise ta foi. Dieu est en train de purifier ta foi. Mais le diable peut utiliser ce moment. À ton désavantage et à son avantage pour te montrer que non, Dieu t'a abandonné l'église où tu vas, Dieu n'est pas là, ou ton homme de Dieu n'est pas puissant. Non, tu n'as aucun contrat avec un homme de Dieu. Je me répète, tu n'as aucun contrat avec un homme de Dieu. Ton contrat, c'est avec Jésus. Il faut le savoir. Aucun homme de Dieu n'a la responsabilité de ta vie, ni à l'origine de ton échec ou de ton succès. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Tu dois comprendre cela. Tu dois lever tes yeux des hommes. Enlève ton, tes yeux, ton cœur des hommes. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Si tu souffres aujourd'hui, tu sais que Dieu le fera. Je disais à l'église hier que lorsque je suis arrivé dans la ville de Douala, et Dieu m'a témoin, quand je suis arrivé dans cette ville, je dormais sur les vérandas des gens parce que je n'avais pas où dormir. Il pleuvait sur moi. Un jour, il y a eu raf au quartier Congo. J'étais couché à la veranda d'une mosquée. J'étais couché sur la véranda d'une mosquée, frère. Mais avant de dormir sur cette véranda, je me recommandais au Seigneur. Seigneur, que tes anges campent autour de moi, pressions-moi toute, ag euh, toute agression. Il m'est arrivé dans la ville de Douala de dormir dans les marchés. Mais je n'ai jamais douté de ma foi. Je n'ai jamais douté de la fidélité de Dieu. Je savais que c'est une époque, c'est une saison. Comme la saison sèche ne dure pas pour toujours, et comme la saison pluvieuse ne dure pas pour toujours, comme les saisons ne sont pas éternelles, cette situation n'est pas éternelle dans ta vie. Il faut que tu le saches. Le diable viendra te faire croire que non, tu es le seul à souffrir, que Dieu ne t'aime pas, que c'est parce que Dieu ne t'aime pas, que tu souffres. Si Dieu t'aimait, pourquoi il a permis que tes choses t'arrivent Donc j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que pendant que ma femme est partie, comme mon cœur était chagriné profondément concernant son départ, et j'étais bouleversé profondément, le Seigneur m'a posé une question un jour. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu a eu pitié de moi pour venir vers moi. Pour m'aider, pour que je ne bascule pas dans la dépression. Le Seigneur m'a posé une question et qui, automatiquement, cest une question rhétorique, une question qui te calme. Dieu m'a posé cette question Penses-tu que tu aimes ta femme plus que moi Parce que vous savez que quand tu vois ta femme souffrir, personne que tu aimes souffrir, tu pries, Dieu n'intervient pas. Le problème, c'est que le diable va venir te dire que, mais, toi, tous les sacrifices que tu fais là, pourquoi Dieu ne guérit pas ta femme Comment Dieu peut avoir un cœur à laisser souffrir ta femme comme ça C'est ça le problème, c'est ça le piège. Donc Dieu m'a posé la question est-ce que tu penses aimer ta femme plus que moi-même, son Créateur, qui te l'ai donné pour épouse Mes frères, depuis le jour là, mon cœur, mon cœur s'est redressé et s'est redressé devant le Seigneur Jésus. Donc pour dire quoi Tu peux souffrir en sorte que les gens, ta famille peut te défendre naturellement. Hein? Non, c'est vrai pas parce qu'elle est méchante. Non, les gens te disent, sors de l'église là. sort de l'église. Laisse la foi là. C'est ce que la femme de Job a fait. Elle ne comprenait pas. Elle a dit à son mari vraiment eh, si Dieu là, c'était pour finir comme ça. Motile une fois il meurt, On se pas, de lui, c'est fini. Non, c'est pas qu'elle n'aimait pas Dieu. Non, elle défendait son mari. C'est qu'elle ne comprenait pas comment Dieu pouvait laisser son mari souffrir comme ça. Pour elle, Dieu était méchant. Donc sincèrement, hein, ça dit innocemment, elle le faisait. Donc, parfois, ta famille peut te demander de sortir de l'église là ou d'abandonner Jésus innocemment. Hein, ça dit que par amour, que sort de ça, sort des choses. Là, c'est la sorcellerie, sort de la magie. Pourquoi Parce que quand tu étais païen ou païenne, on voyait comment ta vie donnait quand même. Mais maintenant que tu es chrétienne, les choses, c'est comme si on t'a vendu. Et ta famille, par amour, parce qu'elle n'aime pas te voir souffrir, va chercher à ce que tu sortes de l'église ou abandonne la foi. Mais seulement, elle ne sait pas que Dieu est en train de purer ta foi et ta relation et de te préparer. Comme je dit hier, Dieu a renversé les anciens murailles parce qu'il est en train de rebâtir de nouvelles murailles pour ta vie. Tu ne peux pas, frère, tu as une penderie. Hein? Tu ne peux pas arriver dans ta penderie ou dans ta garde-robe. Tu ne peux pas changer ta garde-robe sans avoir au préalable sorti les anciens vêtements pour que le nouveau vêtement entre. Ce n'est pas possible, frère. Tu ne peux pas changer... Euh, ton garage, ton parking, qui a un parking de trois voitures, tu ne peux pas changer ton parking, renouveler ton parking, sans faire sortir au préalable eh, les anciennes voitures pour que les nouvelles entrent. Ce pas possible. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison. Tu ne peux pas jouir de nouvelles bénédictions, du lot, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, de nouveaux témoignages, sans que Dieu n'était séparé d'abord des anciens témoignages de l'ancien niveau. Mais c'est ce changement, c'est ce changement de vêtements, c'est ce changement de saison, c'est ce changement de, de bénédiction, si que les gens voient comme un jour de malheur. Parce que ce jour-là, ces jours de ta vie sont des jours difficiles, des jours où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il est occupé à créer les nouvelles bénédiction pour ta vie. Lorsqu'il reviendra, ton ennemi aura déjà vomi tout ce qui est dans son ventre. En même temps, Dieu te prépare, en même temps, il tape le ventre de tes ennemis. Les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à insulter et cette femme qui était dans la détresse. Mais elle a dit, je garderai le silence devant l'éternel et ma confiance et mon espérance ne seront pas ébranlées parce que je traverse ce moment difficile. Le malheur de plusieurs d'entre nous, c'est qu'au jour du malheur, nous nous détournons de Dieu. Nous abandonnons le Seigneur. Non, tu dois dire mourir et vivre avec Jésus-Christ. Il te ressorera parce qu'il n'allait nulle part, il ne t'a pas abandonné, comme j'ai dit hier. Le silence de Dieu n'est pas si de son absence, mais le silence de Dieu est la deuxième forme de sa présence. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ. Il y a une grande restauration qui vient devant ta vie. Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que notre Dieu n'est pas un nom pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Tiens bon, il y a une saison de gloire qui vient devant toi. Si cela n'était pas, je te l'aurais dit. Cette journée sera une journée glorieuse. Pour ta vie. Elle sera glorieuse pour tes enfants. L'ennemi ne se réjouira pas à ton sujet. Laisse les gens se moquer de toi. Même quelqu'un a chanté disant. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Laisse les parler. C'est des aveugles. Laisse les parler. C'est des aveugles. Laisse les parler. Ils ne connaissent pas de quoi ton Dieu est capable. Ils seront confus bientôt. C'est un secret qui a été dit. Bientôt. Ils seront confus. Ils seront confus. Ils seront confus. Ils ne connaissent pas ton Dieu. Toi connais ton Dieu. Toi reste ferme dans ta foi. Garde ta bouche. Ne parle pas. Ne parle pas. Ne réponds pas. Bientôt, ils seront confus. Et dit, je garderai le silence devant l'éternel. Parlez. Ce moment doit être un moment où tu dois observer. Dieu veut te montrer qui est qui. C'est important. Tu ne peux pas refaire ta vie. Tu ne peux pas entrer dans l'autre dimension qui vient ici. Avec de mauvaises personnes. Un prophète a dit à quelqu'un, à une mauvaise personne, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Il y a beaucoup de personnes dans ta vie qui verront, mais qui ne mangeront pas. Les gens vont t'insulter, vont dire n'importe quoi de toi. Garde le silence. Demain sera beau. Retiens ça. Demain sera beau. Dieu le fera pour toi. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu lèves ta main avec moi, s'il te plaît. Touche ton écran de télé si tu me regardes à travers la télévision, ou bien mets ta main sur ton portable. Je veux prier pour un transfert de grâce au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vienne. Que les nouvelles murailles, les nouvelles murailles soient rebâties autour de ta vie. Que Dieu qui relève te relève en son temps. Qu'il te relève. Qu'il nettoie les larmes de tes yeux et que ton ennemi soit confus. Il dit mon ennemi le verra et sera confus. Le passage ici, si. on peut pas laisser ça comme ça. On va revenir sur ça on va tirer tout ce qu'il y a de précieux dans ce passage. Touche ton écran avec moi. Père, je prie au nom souverain de Jésus, avec ton peuple. Seigneur, c'est par amour que nous nous levons tôt pour nous connecter, pour écouter ta parole avant de commencer la journée. Seigneur, je prie que l'onction de la restauration tombe sur chacun maintenant au nom précieux de Jésus. Expose les cœurs mauvais autour de chacun. Expose les cœurs hypocrites autour de chacun. Expose les mauvais intérêts autour de chacun, expose les mauvaises motivations, les cœurs qui en silence nous insultent, se moquent de nous, préconisent notre malheur, au nom précieux de Jésus. Seigneur, sépare ton peuple des ennemis cachés, sépare ton peuple des ennemis intimes, dans le nom précieux de Jésus. Cette journée, montre-nous qui est autour de nous. Montre à ton peuple qui est autour de lui. Cette journée, que la restauration de Dieu soit dans nos vies. Seigneur, que ce soit une journée de relèvement pour ton peuple, pour nos enfants, pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos ministères, pour nos affaires, pour nos business, pour nos projets. Au nom puissant de Jésus, que ce soit une journée de relèvement. Tout ce qui était par terre, Seigneur, est mis debout. Tout ce qui est par terre est mis debout par la grâce qui est dans le nom de Jésus et par la vertu, la puissance de cette parole. Seigneur, nous sommes guéris par cette parole. Nos âmes sont guéries. Comme nous sortons ce matin, nous sommes bénis. Nous serons bénis partout où nous irons. Nous serons distingués parce que ta gloire nous fera briller. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, le mal est ôté de cette journée. La malédiction est ôté de cette journée. La souffrance est ôté de cette journée. Et les mauvaises nouvelles qui étaient préconisées pour nous sont annulées. Point de mauvaises nouvelles en cette journée. Cette journée est bénie. Elle est pure. Elle est épurée par la Parole de Jésus-Christ, et nous-mêmes, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes épurés par la puissance de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Dieu te bénisse. Prends ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Prends ta bouteille d'eau. Nous allons prier ensemble maintenant. On va prier, tu vas boire une gorgée, et après tu vas laver ton visage avec cela. Oh mon Dieu, merci au nom puissant et souverain de Jésus. Nous lavons notre face. Ça à dire que tout ce qui est de mauvais Seigneur, je m'en sépare. Ta parole est une eau vive. La Bible dit que la parole de Jésus-Christ est une source d'eau vive. Donc, cette parole me lave au nom de Jésus-Christ par cet acte prophétique aujourd'hui. Tout ce qu'il y a de mauvais, je fasse ça. De ma vie, je fasse ça. De mon agenda, tout ce que l'ennemi avait déjà infiltré dans ta vie, au nom de Jésus, passe la main la face. Seigneur, nous faisons cela au nom précieux de Jésus. Prends ton nom, nous allons prier. C'est un moment de partage, de bénédiction. Au oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, fais-le dans la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et crois en cette prière. Il dit Lorsque si vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue. Vous verrez la chose s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, je lève cette eau vers toi. Dans les nations tout entières, Seigneur, ton peuple est assis en ce moment avec son eau dans la main. Je prie que cette eau soit bénie, qu'elle soit sainte. Au nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, pendant que nous buvons de cette eau, nous recevons de toi la force, la grâce pour aller de l'avant, la grâce pour réussir, la grâce pour ouvrir les portes fermées et surtout pour renverser les barrières et pour aller au-delà des limites dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que la protection divine soit manifeste dans nos vies pendant que nous vivons de cette eau. Partout ton peuple ira. Seigneur, nous sommes invisibles face à nos ennemis. Et leurs armes n'auront point d'effet dans nos vies, mais retourneront contre eux-mêmes. Quiconque lèvera la main contre ton peuple en ces journées, sa main s'asséchera devant l'Éternel, au nom précieux et souverain de Jésus. Quiconque boit de cette eau est dans l'alliance de la protection divine, dans son lieu de travail, pas d'accident. Dans son voyage, pas d'accident. À l'école, que l'intelligence de nos enfants soit activée par cette eau. Tout enfant qui boit de cette eau, soit la tête et non la queue à l'école, soit premier et non deuxième, dans le nom précieux souverain de Jésus. Par cette eau, nous trouverons grâce devant nos patrons, dans le nom précieux souverain de Jésus. Et l'œuvre que nous entreprenons en cette journée sera bénie. La prospérité s'attache à nous par cette eau et le succès au nom de Jésus de Nazareth. Père, quiconque boit de cette eau, qui est malade, reçoit la guérison immédiatement. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Et toute action entreprise, toute action maléfique entreprise par l'ennemi contre nos vies, comme nous l'avons notre face, cette action est anéantie. Elle est effacée. Toute malédiction est effacée. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen trois fois, tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les habitants de Douala, rendez-vous ce soir à partir de 16h. On a commencé hier, c'était fort. Bois un peu de ton nom. Au nom souverain de Jésus-Christ. Père, quand je lave ma face, tout ce qui y avait de mauvais dans ma journée est effacé. Cela ne m'arrivera plus. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la communion du Saint-Esprit. Tous les habitants de Douala, on a commencé hier mardi. Ce mercredi, nous sommes en Dogbon. L'église est en Dogbon, quartier en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlé. Demandez à la paroisse CBC REMA. Donc ce soir, ça sera fort. On a vu ce que Dieu a fait hier. Dieu a oué nos demain. Oh, pour briser les limites dans nos familles et réaliser dans nos familles ce que personne n'a jamais réalisé. Si tu as été là hier et tu as reçu cet acte prophétique, mon ami, tu as reçu l'une des plus grandes bénédictions de la journée d'hier et ça s'accomplira. Ce soir encore, il y a quelque chose d'autre que Dieu ajoutera à ce que nous avons reçu hier. Si tu es malade, n'aie pas peur, viens. Mets ta confiance en Jésus. Tu sens que tes limites ont été barrées. Nous allons repousser tes limites au nom de Jésus. On va briser et renverser les barrières. S'il te plaît, habitant de Douala, ne reste pas chez toi. Dieu a décidé de visiter la ville de Douala. Si tu as entendu parler de nous, tu as entendu parler du prophète Canais. tu as entendu parler de ce que Dieu fait dans la congrégation baptiste camerounaise, paroisse Réma, en Dogbon, s'il te plaît, ne reste pas au niveau des témoignages des uns et des autres. Viens toi-même recevoir ta portion. Il y a une grâce pour toi. Il y a une portion pour toi. Ta chaise t'attend. On l'a déjà nettoyée. Ne reste pas à la maison. Tous ceux qui sont autour de Doala, prends ta voiture. Prends ta voiture. Prends ta voiture. C'est l'esprit de l'éternel qui te parle. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui est en train de te parler. Viens, parce qu'il y aura des actes prophétiques forts. Et ces deux dimanches, nous allons consacrer nos familles à Dieu. Dieu m'a dit brise les limites. Dans les familles de mon peuple. Nous allons, ces deux dimanches, nous serons devant Dieu. On va se consacrer à l'éternel et nous bâtirons des hôtels devant notre Dieu. Donc, prépare-toi à bâtir cet hôtel, toi et ta famille, devant l'éternel, ton Dieu. Et prépare une offrande spéciale pour toi et pour ta famille pour bâtir ces hôtels pendant ces deux dimanches. Et Dieu veut briser les limites. Le célibat qui a limité le mariage dans ta famille sera brisé. La pauvreté qui a limité l'enrichissement des membres de ta famille sera brisée. La sorcellerie qui a été une limite dans ta famille sera renversée, etc., etc. Le chômage, nous allons prier. Dieu nous exaucera du haut des cieux. Donc, les habitants de Douala, vous êtes bénis. Après cela, nous irons à Yaoundé pour les deux dernières semaines du mois de juin. Dieu est en train de travailler au milieu de nous. Ne reste pas à la maison. Prends ta famille, prends ton enfant. Parce que cet enfant a besoin que son avenir soit aussi préparé devant l'éternel. Ne néglige pas ton enfant à la maison. Ne dis pas oh non, cet enfant, mets le bébé à la mamelle. Venez, venez avec eux. Et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Dieu m'a retenu en otage à Douala pour deux semaines. Et je sais que ce sera deux semaines extraordinaires pour ta vie pour ta famille, pour moi aussi. Que Dieu te bénisse comme tu viens au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée et bonjour à chacun de vous. Va, sois prospère. N'oublie pas qu'une grande grâce repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Demain 6h. Demain 6h du matin. Bless you.